matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 28 juin 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, vous allez dire trois fois « Univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux, amour, santé, finances et juridique, dans un délai le plus bref. Ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. » Aujourd'hui, j'ai pigé la prise de conscience. Il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas, pour prendre conscience que nous avons un problème, peut-être, chez certains d'entre vous. Vous allez peut-être prendre conscience que les problèmes viennent peut-être de votre enfance. Vous allez prendre conscience le pourquoi vous attirez toujours les mêmes sortes de personnes. La prise de conscience, vous n'imaginez pas la richesse dans tous les sens du terme, n'est-ce pas, qui se cache et qui est prisonnière dans les nœuds de vos blessures, de vos peurs, de vos traumatismes, qui jusqu'ici n'ont pas été résolus. Vous savez, vous pouvez vous autoriser à récupérer des informations, ces mémoires auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant. Car il existe aussi, une libération au niveau de vos mémoires cellulaires. Vous pouvez accéder de cette façon à vos dossiers familiaux, même ceux qui sont gardés par la lourde vibration du secret. Vous savez, prendre conscience, c'est libérateur. Vraiment. Et elle a besoin d'être accompagnée avec douceur, car vous allez probablement faire des découvertes. Elle doit être prise aussi avec beaucoup de compassion envers vous et les autres. Le plus possible, n'est-ce pas? Et sans jugement. Cette carte, elle vient vous rappeler que le moment de la libération a sonné. C'est la magie de la guérison qui est en train d'arriver à vous. Et bien évidemment, nous sommes en train de parler d'un processus graduel, n'est-ce pas? Et c'est très important que vous compreniez cela. Ça ne va pas se faire d'un clic, évidemment. Par contre, il peut aller très vite pour certains d'entre vous parce que vous l'avez mûri sans même vous en apercevoir. Et il peut être plus ou moins pénible selon vos résistances. N'oubliez jamais, vous êtes le chef, le protagoniste de l'histoire. Ne l'oubliez pas. Et c'est vous seul, qui décidez de sa profondeur, de sa vitesse, de son inconfort ou pas. Ces ouvertures vont vous amener à un regard différent de la vie, là où tout ce que vous avez vécu, devient une succession de pas
pour vous amener à connaître qui vous êtes véritablement. Il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? C'est tout ce que je vous souhaite en tous les cas. Il n'est jamais trop tard de prendre conscience. Peut-être que sur certaines choses, vous avez occulté. Et puis maintenant, eh bien, voilà, vous êtes ouvert, ouverte à prendre conscience de certaines choses. Vous allez répéter 3 fois ceci. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Je répète, je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Très, très, très beau message, n'est-ce pas? On termine avec le petit oracle des fées. Aujourd'hui, j'ai pigé les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connais ses véritables émotions. C'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bien voilà, l'eau, c'est tout ce qui touche les émotions, n'est-ce pas? Que ressens-tu vraiment, ici-bas et maintenant? Connaître ses véritables émotions, eh bien, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Je vous souhaite une très jolie journée dans l'amour inconditionnel, l'empathie. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.